Salut aux couleurs, revue des troupes. Le district d'Abidjan offre un accueil chaleureux au gouverneur du district de Ngazidia, des îles des Comores en visite en Côte d'Ivoire. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, se réjouissant de la présence de son homologue comorien dans ses locaux, a souligné que la Côte d'Ivoire et les îles des Comores sont deux peuples unis et qui partagent le même destin. Notre souhait, en vous accueillant, c'est de faire en sorte que les relations soient structurées autour du développement agricole, de la coopération économique et aussi dans les échanges du développement humain. Ensemble, nous allons chercher les voies les plus intelligentes pour que du plus petit, on passe au plus grand en Afrique. Les relations diplomatiques entre ces deux pays sont fructueuses, indique le gouverneur du district de Ngazidia, qui félicite les efforts consentis par le gouvernement ivoirien dans la recherche de la paix et de la réconciliation. C'est un Ivoirien de cœur qui est devant vous. Je suis heureux de revenir en Côte d'Ivoire en tant que gouverneur élu de la Grande Comore. Heureux surtout de revenir au moment où la réconciliation est en marche dans ce beau pays qui est enfin sorti du cauchemar. Qu'il me soit permis de saluer la détermination du président Ouattara dans son effort de redonner à la Côte d'Ivoire la place qui a été toujours la sienne. La visite du gouverneur Mouni Baraka en Côte d'Ivoire offre de nouvelles opportunités de coopération décentralisée entre les collectivités ivoiriennes et celles des Comores.